ce dont tu as besoin. N'oublie pas de faire des faux. J'ai les meilleurs. J'ai rencontré une paria Nora une fois. Une grande qui est quelques dents, plus une tenue correcte. J'ai les meilleurs marchandises de la région. Ne passe pas à côté. Prochain combat, tu ne trouveras pas de meilleure qualité ailleurs. Une fois d'être arrêté. Je remercie. Ça m'écorche. Oh, très utile. Il faut s'accorder une minute pour oublier ses soucis. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre.
À qui vont les éclats exactement, Abrunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'ombre coin et de quoi les soigner. S'ils sont à l'ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Je suis désolé. Moi aussi. Et maintenant, on se trouve l'épée. Ici. Je l'ai pas encore vendue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reparte ? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp, au croisement, près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention, il y a plein de machines par là, ainsi que des Karjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Il devrait être en train de combattre des machines au lieu de fermer son palais ici. Oh, mes pauvres pieds. Tu as retrouvé mon associé ? C'est fini, les chapardages. Je te le jure. Ça peut servir. Sont tous nés par un jour sans soleil, si tu veux mon avis.
te ferai un bon prix. Achète ce dont tu as besoin et uniquement ce dont tu as besoin. J'arrive pas à fermer l'œil. J'ai acheté mon lien. Viens jeter un coup d'œil à ces. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la Messa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute pâte rapporteront un beau pécule. Alors lesquelles... Personne veut de lentilles de carapateur. Un truc aussi solide, ça peut se fixer n'importe où. Mais tu te crois où ? Sur un marché de campagne avec des étals en rondins ? C'est méridien ici. On a de la culture. Je sais, merci. Encore l'autre jour, je regardais les épreuves de chasse. Oh, glorieux soleil, donne-moi la force de tenir bon. Le soleil t'a cramé le cerveau. Si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute pâte en ce moment... Pardon ? Je te l'ai répété plus souvent que j'ai vu le soleil se lever. Nous sommes plus que les artisans, nous sommes des artistes. C'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs. Ce qu'il faut, c'est du solide, du costaud, du simple. Ah oui, du solide, du costaud, du basique. Si un objet commence à être beau, faut le jeter. Si des Karja avaient construit cet ascenseur, ils auraient juste fait une jolie plateforme. Des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour. Assez. Gros. Ce qui peut être grossier, c'est Nora. Pourquoi vous travaillez ensemble si vous n'êtes jamais d'accord ? C'est juste pour le principe. Pas un seul éclat pour la cour. C'est ce que je dis depuis le début, Ranine. Bon, dites-moi quelle pièce vous voulez. Une lentille de haute pâte. Une lentille de carapateur. D'accord. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok ? Moi, je la fais fuir ? Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute pâte. C'est la marchandise de la On veut votre métal. Ne passe pas à... Tu cherches à nous attirer des barbares ou quoi ? On était d'accord. J'abatte le chaland, tu fais la compta. D'accord, c'est un peu fort. Tu m'entends pas me plaindre de ta compta, même si ça te prend trois plombes. Mais c'est que tu me casses tellement la tête que je suis obligé de tout vérifier deux fois. Regardez, c'est gratuit. N'oublie pas de faire des provisions avant de reprendre la route. J'ai apporté les deux pièces. Alors, on fait affaire ? Et si je payais seulement celle des deux qui m'intéresse ? Tu prendrais la mauvaise. Alors donne-lui donc ses éclats pour les deux. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, puisque c'est le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer ? La lentille de carapateur couvrira peut-être ce qu'on perd avec l'autre. Elle se vendra grassement, espèce de rustre. Tu n'hésiterais pas à mettre la main à la poche pour ça, si tu avais de l'imagination. Mais j'ai de l'imagination. Quand je te regarde traîner ce truc inutile, je me vois te fendre le crâne. On est venu dès le début qu'on n'était pas là pour vendre de la ferraille, qu'on aurait du chic. Et moi, je t'ai dit qu'un vrai marchand de métal craint pas de se salir les mains. Tout en essuyant les tiennes sur mon brocard. Mais qui met un tablier en soie pour vendre du métal ? J'ai deux bras bien robustes et je sais m'en servir. Il y aura toujours du travail pour moi.